Oh, 15, allez. Allez, go. Je veux jouer. Nice. On va remettre la cam. Hop. On va lancer. Avec son mini shortel. Hein. Ah oui, c'est Bois Colline. Oh là là. J'étais plus début du jeu. Dommage qu'ils ont pas fait le report de j'ai la sensation la bêta, que là. Quelque chose est caché dans le coin. En faux ça. Ok. C'est quoi déjà, c'est hop map. Mais je suis là, faut que j'aille là. Rune de grabuge dans la forêt, ok. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ouais, allez. Flemme de marché. Grosse flemme de marché. Putain, y'en a, ils vendent toujours leur truc 2$. Bonjour, au revoir. Harry. Enter. Bah oui, et si je suis un là, c'est que oui, je veux. Et con, con. Ah ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Tiens, tiens, on a de la concurrence, on dirait. Vous n'irez nulle part. Attrapez-la! Les pilleurs cherchent la tablette. Que veulent-ils en faire? Je sais pas. C'est pas à me dire. Tout le monde s'arrache ce caillou. C'est trop tard. Je l'ai déjà donné au patron. Vous ne le prendrez jamais à notre démon. Un démon. La poule. Je le craignais. Ce fléau est trop puissant pour être d'origine humaine. Il faut découvrir pour qui travaillent ces brigands. Trouvons le garde des ruines de Kolch. Il pourra peut-être nous indiquer la bonne voie. Attends, il n'y avait rien là par là, là. Il n'y avait pas un...
Mais comment ça s'appelle là, les sortes de tomates hein? Je sais pas les tomates, mais les... Il n'y avait pas de... de collectif ou... Non. Il n'y a rien ici. La merde. Je me bats juste pour un truc où... Bon. C'est pas grave. Ok, faut que j'aille où? Ah oui, c'est vrai que tu es 9. J'avais zappé que j'avais le cheval. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bon à rien de porteur. Le repère des pilleurs de tombes de la griffe toxique se trouve dans un endroit isolé le long du chemin. Mmh. Allez, donner une leçon à ces pilleurs de tombes. Ok. Ah non, c'est une caverne de griffe toxique. Ok, donc c'est en bas. C'est en bas qu'on doit aller. Gentil, bon. Ça sert à rien que je vous attaque, je ne ferai rien. Alors, très bien. Action. J'ai vu un truc brillant. Ok, bon. Bien. Ok. Descendre dans les étages inférieurs de la réserve. Ouais. Ok, cool. Merci. Et j'y ai rien pour moi là. Ah, attends, faut que je détruise ça. Ok. Rien pour moi. Ah si, là, ouais. J'ai ramassé un tout petit truc qui m'a donné un niveau supérieur. Ok. J'ai quoi? C'est un truc à détruire encore là. Ok. Merde, c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on avance. Yeah.
Non. Regarde le tombe toxique en approche. Oh, il est encore là. Oh, ouais, ouais. En fait, c'est ici que j'aurais dû venir pour récolter les graines de Moko. Non mais on va la faire à l'envers hein, non plus. Est-ce que là il y a quelque chose ou pas? Je crois pas. Ah si là. Ouais. Ok. Mais je t'ai dit trop de temps. C'est possible ça. Ok, je prends 75 machin, d'accord. Là, il n'y avait rien. On avait regardé, je sais plus. Dans le 2-3, il regarde. Attends, c'est quoi ça? Ah ouais. Là, fallait que je la voyais là. Ok. Oh, ça sent le boss. Ça sent le boss. J'espère pour vous que vos nouvelles sont bonnes. Oui, voici le morceau de tablette. Oh. Oh, vas-y, ce que je viens chercher. C'est donc la clé du secret de l'emplacement de l'arche. Oui, je la veux bien. Le reste se trouve dans la cathédrale. Il est temps que j'entame mon propre pèlerinage. Ah bah je suis foutu. Il va aller la trouver avant moi. Thank you.
Non. Ok. Ouais, j'ai jamais cru que j'allais la voir. C'est pas les chasseurs de tablettes qui manquent. Vous arrivez trop tard. Je l'ai déjà donné. Merci, je sais, on l'a vu. Si le démon a le fragment, c'est que Fierbourg est en danger. Rentrons, vite. Remarque spéciale bonus legging reward as a nightmare. Ok, attends. Là je suis sûr qu'il doit y avoir un. Ah, il doit y avoir une petite graine là par ici, non? Pas fait les enfoirés à faire combattre un boss alors qu'il n'y a pas de petites graines quand même. Il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Non. Oh. Comme c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, les gars, c'est pas bien. Ou en plus, 50% temps de recharge. Durée de la paralysie de la dernière attaque. Ça c'est un, ça c'est. Ah, je peux pas. Ok. Ok, ok, là c'est bon. Putain, il y a plein de trucs. Expédition. Titre. Transmise apogée. Dresseuse des modes. Des modes. Putain, non, des modes. Appliqué. Ah, si je mets 8 ans, après je mets des mains. Là, ça m'enlève ça. Non, c'est pourquoi j'ai quoi? Ah oui, information. Récupérer. Tous les persos d'expédition, force, dextérité, intelligence, plus 5. Oh, c'est cool ça. Ok. Personnage. Inventaire. Alors. Puissance d'arme. Ciao. 53-49 dextérité. Ouais. Équipé. Donc ça, ça serait à vendre. 45-49-30. Équipé. Après ça sera à vendre. 30-30-30 à vendre. Hein?
75, 78. Ok. Là, ça va vendre aussi. Ah, c'est dommage là, ça. Merde. Effet d'un de compétences désactivé. Ok, comparer les caractéristiques. Niveau d'objet 35, puissance 1 plus 24. Vas-y, on va l'équiper. Ça, on va vendre. Et ça, on va vendre. Ok, tout ça, ça va être à vendre. Ok, tout à vendre. Ça, c'est quoi ça? Lance une grenade qui inflige 2900 points de dégâts sacrés et étourdis à la cible pendant qu'elle est en déséquilibre moyennement élevé, consommé, machin. D'accord. Et si ça, je vais le mettre là. Et ça, c'est quoi? Dresse ce drapeau de défilé. Augmente votre vitesse de déplacement et celle du passeport groupe de 20% pendant 20 secondes d'augment. Augmente pas la vitesse de transport. D'accord. Ok. Ça c'est le temps de recherche. Avec ça, on va mettre là. Augmente la vitesse de déplacement de 40%. Ok, ça on va mettre là. Ok. Ça c'est bon. Et ben, objet de collection. Caverne de la griffe toxique. 4 sur 6. 4 sur 6. C'est ce délire 4 sur 6 là. Oh, Fierbourg se débrouillera deux petites minutes, hein, quand même. On peut pas attendre. Oh non, je peux pas revenir en arrière, rien du tout. Ah, faut refaire la caverne pour. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai plané. Bon bah il n'y a pas de... Pas de graines. Bon bah c'est pas grave, pas de graines. Hein. On y va, hein. On avance. Fierbourg assaillit. Il m'a sorti des démons. Le feu.
Ok, là, il n'y a plus rien à éteindre, ok. Ah, pourquoi je peux pas les sauver? Ah non, putain, c'est... Ah. Mais de rien. De rien, genre de dame. Vous pouvez partir. Alors détruis tout, comme ça au moins. Les démons nous envahissent. Ok. Ah ok ok, barrez-vous. Je vais m'occuper de là-haut là. Ah, on détruit tout. Hein. Oh, merci. Ah, oh, les démons. Par route, ils se trouvent toujours dans la cathédrale. Il y avait personne par là. Wow, c'est qui lui? Hein, légionnaire. Leur démon. Ouais, vas-y, c'est bon.
Il y a des morts partout. Vas-y toi. Ah, merci. Les démons nous envahissent. Oui, les démons nous envahissent. Sauvez-vous, braves gens. Là c'est bon, pas le temps pour vous. Oh, il faut sauver Neria. Je savais que vous viendriez. Ouais, je suis trop aimable. Oh, il y a encore. Oh, ok. Tant pour moi. Bougez pas. Allez, coucher, pas bouger. Yeah.
ce bordel pour l'avoir lui. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou là pour lui pour le. Je suis sûr qu'il y en a d'autres par là. Personne. Eh ben allez. Ah. Pervarout. Pervarout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne me répéterai en aucun cas. Je n'ai rien à dire à un vil démon comme toi. Tu vas parler, vieil homme. Regarde. Varout ! Encore des victimes ? Enfin, un prêtre qui en a dans le ventre. À mon tour. Mm-hmm. Ah oui, le prêtre, d'accord. Cette force. Tu es. Vous êtes un Delin. C'est intéressant. Hélas, je dois partir. On se reverra. Un Delin? Vous avez encore utilisé votre pouvoir. Ouais, à mon avis, c'était soit ça, soit tu mourrais. Mais je n'avais pas le choix. Plus vous l'utilisez, plus ces ténèbres vous consument. Ah. Je ne m'en servirai plus. Ouf. À propos de ce que vous avez vu là-bas, je suis un Delin. Mi-humain, mi-démon. D'accord. Mais ce n'est pas important en ce moment. La tablette. Elle et ses secrets sont en sécurité grâce à vous. Mmh. Cette tablette reconstituée indique l'emplacement de la légendaire arche du roi Luthéran. Ok, allez Varout, dis-moi tout. Restez au village un jour ou deux. Je vous révélerai tout ce que je sais sur cette tablette. Lorsque la situation ici sera stabilisée. Vous avez besoin de temps pour vous reposer et soigner vos blessures de toute façon. Qu'ai-je fait? Oh, par les dieux. Voilà, Varout dans la cathédrale. Terminé. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il se trouve que je suis moi aussi une Delaine. L'assassin de Phaéton, dites-vous. Pardonnez-moi toutes mes excuses. Peut-être est-ce pour cela que j'ai eu l'impression de vous reconnaître. Oula, oula, oula. Vous vous êtes donné du mal pour moi. Je vous en suis reconnaissant. Oh, mais ne vous en faites pas pour moi. Ce n'est qu'une égratignure. Un peu de repos et je serai de nouveau en pleine forme. Il faudrait mieux de vous préoccuper de vos blessures. Ok. Ah, je vais dormir et tout le monde a repris sa vie, quoi. Oh, j'ai le dans les yeux ouverts. Oh, ça m'a donné des frissons. Bonjour. Vous avez bien dormi? Mm-hmm. On vous attend à la cathédrale. Le père Varout en personne. Très aimable.
Attends, hop, journal de quête. Guide, guide. Formation sur la famille. Parler à Myrtille. D'accord. Accepté. Saluer Neria la tavernière. Ok. En cours. Ok. Hop, guide. Réserve. Temps illimité. Fragment d'améthyste. Je sais pas à quoi ça sert ça. On verra plus tard. C'est quoi défi de bienvenue à récupérer? Ok. Faire des cadreux et jouer des instruments pour certains des PNJ que vous rencontrez lors de votre aventure. En arrière, le Fireball fait partie des PNJ avec lesquels vous pouvez créer une affinité. Jusqu'au niveau de neutralité, niveau 2. D'accord. Accomplissez des quêtes d'affinité pour gagner des points d'affinité. Si votre affinité avec un PNJ atteint un certain niveau, il vous demandera occasionnellement de lui rendre des services. D'accord. Accomplissez des quêtes de guide pour obtenir un familier en récompense. Appuyez sur le bouton J ou cliquez sur Aventure Journal de quête pour ouvrir la fenêtre sur le journal de quête et sélectionnez l'onglet guide pour accepter les quêtes. Ok. Ouais, mais ouais, le quête. On va récupérer ça, ouais. Journal d'aventure de Rasmus. Terminer 20% du journal d'aventure et compagnie de récompense. Appuyez sur N pour cliquer sur la quête. Lorsqu'une aventure se fait, il y en a toujours une autre qui commence. Terminez votre aventure et préparez-vous. Ok. Il y a plein de choses à faire. Ah ouais, oula, 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 oula. Je suis pas arrivé à la fin, moi. Réserve. Oh, mais ça, je m'en fous. Ça, faudra que je regarde les coffres parce que j'en ai des coffres. Et ça, faut que je vende ça. Alors, je sais pas s'il faut vendre ou s'il faut démonter. Nous verrons bien. Ouais, j'ai même pas utilisé mon pouvoir. Fierbourg. La taverne de Neria est toujours bondée. Et ne tournez par ici. Remettez-moi la même chose. Ok. Affinité. Dans la froideur de ma ville. Protéger le cœur de sa main et gagner la confiance de sa chambre. Cadeau, ok, ouais. Faites la lumière sur le passé de Neria, qu'elle souhaite tant oublier. Quel est le secret de Zeriaga, celui qui... leur truc là. Remettez-moi la même chose. Affinité. Il faut que j'aille cuisiner. Repasser plus tard, d'accord. Pour débloquer une affinité terminée. Qu'y a-t-il dans un nom? Ok. Donc on avait dit là. Affinité. Qu'y a-t-il dans un nom? Neutralité. Écoutez, Nera parler de l'origine de son nom. Mais j'ai pas condition de déverrouillage.
quelque chose à dire, hein, c'est le sujet de mon nom. Ouais. Comme vous cherchez l'arche, vous avez peut-être entendu parler de Neria. C'est la femme qui a prêté main forte à Lutheran de le Sidéral. Dans cette taverne que les Sidéraux se sont rassemblés à un combat contre Kazeros. Ok, bien sûr, la taverne avec lui. Même endroit, son emplacement d'origine est aujourd'hui vénéré comme un sanctuaire. Ma taverne et moi ne faisons qu'utiliser le nom de la légende. Puisque vous m'avez sauvé la vie, je me suis dit que vous méritiez de connaître mon véritable nom. Je m'appelle Kana. Oh non, je me sens rougir d'embarras. Ça fait très longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom. Ouais, ok. Ne le répétez à personne. Ce serait notre petit secret, d'accord? Ok. Je vous attendais. Ah oui. En affinité. Il faut 400 récompenses. Trésor ancien. Ok. Un catapult, j'espère que ça vous sera utile. Jouer d'un instrument, demander une caisse. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? À savoir cuisiner. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? Alors ça, ça va, ça, 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 ça s'appelle une affinité. Ok. Note d'anniversaire, ok. Quête d'affinité. Obtenu, ok. Oh, j'ai pas tout compris. Les sculptures que font les tailleurs de pierre sont incroyables. Ils frappent la pierre de toute leur force, mais le résultat est toujours élégant et travaillé. Et les tailleurs de pierre de Ferrocourt sont les meilleurs au monde. Pensez à observer leurs sculptures quand vous avez un moment. Ok. Offrir un cadeau. Ah ouais, annulé. Jouer un instrument. Affinité de son. Wow, ok, fermé. Demandez. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? Afficher les images. À augmenter, d'accord. Ah ouais, mais il y a des trucs. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? De terminer le niveau précédent de la quête d'affinité pour voir d'abord la quête d'affinité. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? Ok, alors, attends. Merci. Bientôt terminé. Je vous dois la vie. Remettez-moi la même chose. L'or, du
nouveau. Là. Nous devons prier plus pieusement que jamais. C'est ici que je peux vendre. Vendre. Prix de vente 54. Ah ouais, ça met. Vendre, c'est pas grave. Pièce d'or ancienne. Donne 1000. Ok. C'est... Nous devons prier plus pieusement que jamais. C'est... Quelque chose d'intéressant à raconter ? Ok. Parlez à Myrtille. C'est qui Myrtille ? C'est elle Myrtille ? Augmente les PV max, augmente les dégâts critiques. Hein ? Attends, quittez. Donc si je fais ça, d'accord. D'accord, ok. Non, Myrtille, ça doit être... Quand je pense que les démons sont là... Oh, que les dieux nous protègent. Myrtille. Pff, à ce rythme, je vais être en retard. À ce rythme, je vais être en retard. J'ai parlé tout, vous voyez. J'ai un souci. Eh ben, j'allais devenir une aventurière comme vous. Mais ma mère m'a dit qu'elle ne me laissera pas mettre le nez dehors si je ne sépare pas le riz des graines dans la cette jarre. Je n'ai vraiment pas de chance. Ok. Je vais vous aider. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous perdez votre temps ici. Cette jarre est plus grande qu'elle en a l'air. Je ne sais même pas par où commencer. À part le début, ce serait pas mal. Vous voulez jeter un coup d'œil ? Ok, vous avez déjà terminé. Bah ouais. Toute seule. Ouais. Un familier m'a donné un coup de main. Mais quoi ? C'était un jeu d'enfant ? Mais qu'est-ce que c'est? Je vois parfois des petits animaux suivre les aventuriers. C'est ça qu'on appelle des familiers. Ce sont des petits amis qui vous aident à ramasser des choses. Je vois. Une groseille se débarrasse toujours rapidement de ses corvées. Je me demande si elle se sert d'un familier. Groseille, c'est ma demi-sœur et ma mère lui donne une jarre comme celle là quand elle sort. J'ai toujours demandé comment Groseille faisait pour tirer aussi vite le riz des graines. Ma fierté m'a toujours empêché de lui demander. Ça ne vous intrigue pas? Vous pourriez poser la question à ma soeur pour moi. Ok, ta frangine est là-bas. Apparemment, il y a une épidémie au mont Angemos. Hop. Groseille.
Ah, vous m'avez fait peur. Ouais, super. Putain, ouah, ça va être... Ça fait longtemps que vous êtes là. Quoi, c'est Myrti qui vous envoie. Elle a déjà fini ça avec Saja. Ouais. Je parie que vous l'avez aidé, hein. Pourquoi vous avez fait ça? Comment vous avez fini aussi vite? C'est... Vous l'ignorez vraiment? Les boutiques proposent des familiers formidables maintenant. Ah, super. Ouais, donc l'autre, elle avait raison. Elle se sert de familier. Myrti est tellement conservatrice qu'elle préfère tout faire elle-même. Le monde évolue grâce à la technologie de la société de la magie. Vous en profitez? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que sont les familiers, hein? Ouais. J'en ai déjà un. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. J'en ai entendu parler. J'en ai déjà un. Vous savez de quoi je parle alors? Ouais. Quand je rassemblerai tous les objets moi-même. J'avais mal aux yeux, au dos, aux doigts, partout. Il faut que les gens travaillent plus intelligemment, pas plus dur. C'est pas bête ça. Si vous vous serez... Attends, si vous vous servez déjà d'un familier, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Allez quand même voir la responsable des familiers, il pourra vous donner des informations les plus récentes. Ok, l'assidu est le responsable des familiers. Il travaille à divers endroits dans chaque pays. Vous pourrez donc le trouver dans les différentes villes de chaque pays, ainsi qu'à Fierbourg. D'accord. Et là, il faut que je remonte là-haut. Ah, super. Ouais, ils m'ont trop pris pour un pigeon voyageur. Apparemment, il y a une épidémie au mont Angemos. Je sais pas. Quand je pense on dit que le fléau peut infecter rien qu'en touchant des gens. L'aventurière qui a sauvé Fierbourg des démons. Oh, je me sens inspiré. Quête, bienvenue, bienvenue. Souhaitez-vous en savoir plus sur les familiers? Les familiers sont des créatures incroyables, créées par la société de la magie du Béarn. À son aboutissement, d'années de recherche combinées de différents caractéristiques des gardiens, ses compagnons serviables et fidèles deviennent des amis irremplaçables pour les aventuriers solitaires. Où puis-je me procurer un familier? Vous pouvez acheter des familiers dans la boutique de Lost Ark, okay, pour en obtenir dans les récompenses d'événements. Okay. Il vous suffit d'utiliser un objet de familier dans votre inventaire avec un I pour l'ajouter à l'inventaire des familiers. D'accord, le raccourci par défaut de l'inventaire des familles est Alt plus P. Alt P, ok. Vous pouvez aussi utiliser le menu de raccourci du guide en bas à droite. Comment fait-on pour invoquer ou renvoyer un familier? Vous pouvez invoquer ou renvoyer un familier enregistré dans votre inventaire des familiers à tout moment. Vous pouvez aussi renvoyer un familier en utilisant CTRL clic droit. D'accord. Éviter de renvoyer. Vous pouvez même rebaptiser votre familier ou modifier les paramètres de récupération automatique depuis l'inventaire des familiers. Les familiers sont là pour vous servir, alors faites-en bon usage. J'adore quand les aventuriers me se renseignent sur les familiers. Je suis sûr que vous savez déjà certaines choses, mais vous m'avez quand même accordé votre attention. Je vous ai préparé un cadeau spécial pour vous remercier. Allez, ah, il va me donner un abat. Lapin blanc. Nice. C'est bon, vous avez mon cadeau. J'espère que vous n'avez pas déjà tout oublié. Non. C'est pas comme ça, moi. Après, on enregistre un familier depuis l'inventaire. Et ouvrez votre inventaire des familiers pour invoquer des familiers. Et raccourci par défaut des 1 et Alt P. Vous pouvez aussi utiliser le menu de raccourci de guide en bas à droite. Ok, donc Alt P. Ok. Mais inventaire, voilà. Souhaitez-vous ajouter un familier? Vous pouvez voir les familiers enregistrés dans votre inventaire. Ok. Et lui, il donne quoi lui? Au fait terminé, d'accord. En fait, ils donnent tous la même chose de base. Ok. Qui Mario.
Ok. J'ai des quêtes. À présent, c'est à vous d'en prendre soin. Il faut être un bon maître pour avoir un bon familier. Les familiers peuvent faire des tas de choses en plus de ramasser des objets. Activez les fonctions de familier pour agrandir votre inventaire et activer la réserve à distance, le marché à distance, le courrier à distance, la réparation à distance et la réparation d'outils artisanaux. Si vous voulez profiter pleinement de votre projet, je vous conseille vivement d'activer la fonction de familier. Voilà, vous savez tout, vous pouvez partir chasser avec celui-ci que je vous ai donné. J'ai quelque chose à régler. Vraiment, vous devriez... Emmenez-nous au donjon du chaos, au donjon secret ou à n'importe quel endroit où il y a beaucoup d'objets à ramasser pour avoir un bon aperçu de ce qu'un familier pourra vous. Ok. Retournez voir Myrtille. Ok, faut que je retourne voir Myrtille. Quand je pense que les démons sont là. Oh, que les dieux nous. Apparemment, il y a une épidémie au mont Angemos. Ok, c'est grâce à un familier, vous dites alors, je ne savais même pas que ça existait. Si j'ai un familier, j'en aurais plus qu'à me briser le dos pour faire mes corvées alors. Ok, vous aussi, vous avez un familier. Je peux vous montrer. Oh, c'est donc ça, un familier. Il vient de me confier une nouvelle corvée. Je peux lui demander de s'occuper de cette chair. Ça racle. Mais moi après enfin, je rentre tout ça là. Eh bien ces familles sont stupéfiants. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en passer. Et moi qui ai tout à fait de mes propres mains en tout ce temps. Quand je pense à toutes les fois où j'ai dû rester à la maison parce que je n'avais pas fini mes corvées. Je vais tout de suite en m'en acheter un. Excité, j'ai rêvé toute ma vie de devenir aventurier comme vous. Merci infiniment. Y a pas de quoi. Ok, retournez voir. Oh là là, faut que je retourne voir. Pourquoi je me suis mis dans cette quête là? On dit que le fléau peut infecter rien en touchant des orbes. Oh, que les dieux nous protègent. Attends, hop, récupérer. Yes. Quête d'affinité, non. Yes. Ok, donc là après faut que je... Ouais, tellement de quêtes à faire. Voilà, vous avez essayé votre nouveau familier? Oui. Comprenez sûrement l'importance des familiers et de leurs fonctions à présent. J'ai encore une chose à vous apprendre. Quand vous aurez essayé d'assimiler ça, même la société de la magie vous considérera comme une experte en familier. Les effets de familier, ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Les effets de familier. Les familiers ont des aptitudes inhérentes uniques. Okay. Certains peuvent augmenter vos PV, tandis que d'autres augmenter certaines caractéristiques. Les familiers offrant les effets désirables sont très prisés, bien sûr, mais les autres... Bref, voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle le reforgeage, ok. Cela dit, les bonnes choses se payent. Le reforgeage nécessite des matériaux spéciaux. Ce que vous devez retenir, donc, c'est ce que... Attends, ce que vous devez retenir, donc, c'est que les familiers augmentent vos caractéristiques. Pour profiter des effets de familier, activez-les depuis l'inventaire des familiers. Assurez-vous d'abord d'avoir invoqué le familier. Ok, pour activer les effets de familier, vous devez payer de la même manière que pour les fonctions de familier. Pour vous prendre d'avoir écouté jusqu'au bout mes explications, j'aimerais vous faire un petit cadeau. J'espère que ça vous sera utile. Prenez soin de votre familier. N'oubliez pas les fonctions de familier et les effets de familier. Oui, je n'oublierai pas. C'est inscrit sur mon écran. Vous faites pas un truc. Ok.
terminé. J'en fais quoi la moitié de ça là? Quelques grains de blé qui peinent. Ok, à mon avis, ça faut que je l'apporte à Neria, ça, à mon avis. Donc eux, c'est fini. Alors, si je vais voir Neria là, est-ce que je peux. Oh, il m'en faut. Réparation bientôt terminée. Je vous dois la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir une meilleure cuisinière? Ok. Les réparations sont bientôt terminées. Quel type de monnaie peut être affiché? Ok. Comment je peux. Après, c'est peut-être pas maintenant. Je sais pas. Remettez-moi la même chose! Alors, du nouveau? Personnage, inventaire. Coffre de jeu, des combats médicaux, coffre de jeu offensif, coffre potion d'énergie vitale mineure, plume de phénix, coffre de sélection d'affinité légendaire, coffre de sélection de monture, 3x10. Je vais ça, il va falloir que je regarde ces coffres et tout, je vais pas le faire là, mais pièce d'or ancienne x10. Ajouter à la réserve du compte. Divise les objets, ouvrir le menu d'objets verrouillé. Ok, quitter l'inventaire. Pièce de platine ancienne. 20 000 pièces d'argent. Mais là c'est. Ok. Pour l'instant je vais laisser là. Alors, du nouveau. Courrier. Ouais. Trouvez-vous Fierbourg, aventurière? Heureusement, les réparations ont été terminées plus tôt que prévu. Les dieux peuvent apporter la joie, comme le malheur. Oui, tout à fait, Achou. Il est écrit que pour trouver l'arche du roi Luthéran, il faut se munir des sceaux, de l'épée et de l'aigle. Le sceau de l'épée est sous le désert de sel de Yudia,
dans la cité de Morai. Mais pour atteindre la Yudia, il vous faudra traverser les pics escarpés d'Angemos. Je prierai pour votre sécurité lors de ce rude voyage. Puisse Régulus, roi des dieux, veiller sur vous. Sur vous aussi, Père Varuth. Ok, nous avons préparé un cheval spécialement pour vous. Oh, c'est trop gentil. J'espère qu'il vous sera utile pendant votre voyage. Ok. Parlez à Armel. Oh, lanterne. Il y a l'expédition. Je viens depuis rare. Varuth, Hugo. Ce sympathique prêtre de la cathédrale de Fierbeur est membre de l'ordre de la sacrée des prêtres de l'aube qui soutiennent le pape Gustaven. Non échangeable. Vine, marchand, quête, rétamine, tablette de révélation. Ok, on va se tomber. Si vous comptez vous rendre en Yudia, votre route sera longue par-delà les frontières. Oh, troisième map. Tu veux m'accompagner, c'est ça? J'ai arrangé un échange avec un marchand nommé Elmar sur le coin du voyageur. Il vous indiquera littéralement pour la Yudia. Il vous indiquera l'itinéraire. Ouais, d'accord, moi je sais pas lire. Quant à moi, je vais aller retrouver la prêtresse Garoua au mont Angemos. Lorsque vous aurez terminé vos affaires ici, venez me rejoindre là-bas, s'il vous plaît. Bien sûr. Téléporté à un triport, coin du voyageur. Vous pouvez vous téléporter à un triport déjà actuel. Ok. Les dieux peuvent apporter la joie, comme le malheur. L'accès est fermé pour le moment. C'est bizarre, ils veulent m'enfermer dans cette ville. Heureusement, les réparations ont été terminées plutôt que les démons sont là. Hé, vous avez entendu? On dit que le fléau peut infecter rien qu'en touchant des orbes étranges. L'aventurière qui a sauvé Fierbourg des démons. Oh, je me sens inspiré. Ouais, mais chante pas. Alors, du nouveau guide. Non, c'était Event Affinité. Il y a les orphelins. Ok. Sont lancés chaque jour à 11h. Une action débute à 9h50 du matin, le lundi. Se termine après 10h du matin, elle sera décomptée de vos actions du mardi. Quoi? La fête faut tout le temps. Non, ça rame. Demandez l'itinéraire, coin du voyageur, sentier nord. Bon ben c'est parti. C'est pas lui. Quand je pense que les démons sont là, pas fait cette partie. Rien qu'en touchant des orbes étranges. Hé, vous avez entendu? Prévenez-nous. Des démons s'il y a sont apparus au mont Angemos. Ah oui, merci. M. Bois colline, coin du voyageur. Yes. Allez, c'est parti. Rien de porteur. Vous êtes l'aventurière dont m'a parlé Père Armel. Oui, monsieur. Vous voulez vraiment passer à la frontière? Oui. Après avoir passé les pics escarpés d'Angemos, vous arriverez dans les vastes plaines salées. C'est à ce moment que vous saurez que vous êtes en Udia. D'imposants monstres dangereux de près de la frontière. Faites donc attention et demandez de l'aide aux gardes. Pas que pour vous en ayez besoin, bien sûr.
Ok, vous devriez y aller à cheval. Vous avez oublié à signer le cheval à un emplacement rapide depuis l'inventaire de monture. Ah non, moi je l'ai mon cheval, qu'est-ce que tu me racontes? Il est fou. Il est fou ce monsieur. Vas-y, on va. One choc. Ok, niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Charge rapide. Durée du tir 50%. Durée du tir plus 50%, infligé plus 30%. Ok. Et donc ça. Ok. Ok, ça je peux pas encore niveau 16. Assaut nuisible, griffe mortelle. Ah oui, ça c'est quand je passe en compétence démoniaque. D'accord. Nice. On va dire que c'est bon. Hein. M. Il faut que j'aille la montagne du vent chanteur. Magui, faut y aller à cheval. On y va à cheval. Oh, ils sont plutôt gentils les bestiaux là volants là. On va dire ça comme ça. Faites attention. Allez voir la prêtresse Garoa si vous souhaitez circuler en toute sécurité. D'accord. Toute cette région est contaminée par le fléau. Sans l'existence de la prêtresse, impossible de garantir votre sécurité. À la foutre. Nous, on y Je va. N'ai jamais vu un fléau si violent. Ça va être un bordel de trouver les... Parce qu'ils y vont tous. Hein. Alors, bonjour. Je vois plus de vous que d'habitude. On n'est pas un peu trop près des patients. Ah ouais, en fait ils se transforment. Bon, je dis ok. Moi je cherche des graines de moko. Ouais, ça réapparaît vite leur truc là. Ouais, au revoir.
se marre, hein, je pense. Oh, désolé. Hein, je... Le fléau se répand partout. Oh, mais c'est un peu tranquille, les gars, là. Oh, j'ai mal. Si mal. Oh, ah, vous venez de Fierbourg, n'est-ce pas? Oui. C'est vous l'aventurière dont m'a parlé le père Armel. Oui, tout à fait, c'est moi. Ce lieu était sous la protection des hôtels de bénédiction jusqu'à ce qu'un jour leur pouvoir s'estompe. Les démons qui sont apparus en même temps que le fléau, ce sont probablement la cause. Ces gemmes devraient permettre aux hôtels de retrouver leur pouvoir. Rendu à la source sacrée, vous devriez aller lui parler une fois que tout sera arrivé ici. Impossible d'éradiquer le fléau sans exterminer les araignées fantomatiques rouges qui le propagent dans la région. Dans la région, les araignées sont assemblées autour des hôtels de bénédiction. Elles sont trop nombreuses pour nous. Si vous pouviez les éliminer, ne serait-ce que quelques-unes seraient parfaites. Vous pourriez prévenir Malaris de ce qui se passe ici. Ok. Ok, ok. Est-ce que... T'as une graine de moko? Non. Non, pas de graine de moko. Je vois plus de loumoussu que d'habitude. Trop de quêtes, là. Ok, donc j'en ai fait une. Salut chien. Oh allez toutou, j'ai pas le temps. Oh merde. Ok, les deux, allez hop. Allez, il y en a encore une quelque part là. Troisième hôtel, ça va être par là. On avance. Chercher Armel à la source sacrée, parler aux gardes fantômes. Hein. Bon, vas-y, enfin. Ça va être lui, tous les coups. Il nous faut plus de talismans. Vous dites que l'hôtel est infesté d'araignées fantomatiques rouges. Voilà qui est inquiétant. Et wesh, voilà qui est inquiétant. C'est la racle ou quoi? Merci.
Ok, t'inquiète, d'abord c'était les loups morceaux et maintenant des araignées fantomatiques rouges. Les talismans peuvent vous protéger, pas vrai? Ouais. Ok. Cherchez Armel à la source. Ok, j'ai ça. Main guérisseuse. Je vais aller voir ce que c'est là, les mains guérisseuses là du. Pardon. Je vois plus de loups moussus que d'habitude. Je n'aime pas que Garoua trébuche sur quelque chose alors qu'elle prend soin des malades. Ok. Enfin, je veux dire, je m'inquiète pour les malades. On devrait dégager les décombres de leur chemin. Et voilà le médecin préparé bien en personne. Comme elle, elle possède le pouvoir d'apaiser les malades et de soulager leurs souffrances. Aidez-moi à administrer ce remède aux patients dans un état critique. Allez, vas-y, en haut, on va aider. Bon. Il est où ton bonhomme Ok, je... Et on n'est pas un peu trop près des patients. Je vois plus de loups moussus que d'habitude. Ok. Allez, je... Vas-y. Oh, il veut pas. Ok. Finissons-en. Ok, il y en avait deux à faire. Ça, leur visage va prendre des couleurs deux. Ça, c'est grâce à Garoua. Ok. Ok, donc maintenant, normalement, je fais M. Et je vais la source sacrée. Tout à fait. J'aime Bois Colline est mieux que cet endroit. Ok, merci. Je vais un peu mieux grâce au père Armel. Je me sens un peu mieux. C'est encore pire que je l'imaginais. Les sources locales sont contaminées. Ok.
Si nous ne faisons rien et continuerons à propager le fléau, nous devons les purifier. Je vous prie de bien vouloir brûler toutes les carcasses d'animaux que vous trouverez. J'aimerais aussi que vous aspergiez les sources contaminées d'eau de la source sacrée. Ok. Mais c'est tranquille, ces petites bestioles là. Père Armel. Oh, grand Dieu, je vais un peu mieux grâce au Père Armel. Je crois que je me sens un peu Maintenant que nous avons empêché le fléau de se propager, cet endroit devrait être sûr. Mais je m'inquiète pour le poste de garde frontière. Allez voir le poste de garde frontière. Mais là il y a des quêtes là. Ok, ça va faire toutes les quêtes. Et vous là-bas, j'imagine que vous êtes occupé, mais vous pensez que vous pourrez me rendre service. Vas-y, envoie. J'ai besoin d'os solides de chez Cap. Prenez garde à ne pas les abîmer, merci. Ah oui, profitez-en pour récupérer les griffes d'araignée fantomatique rouge au passage. Prenez garde de ne pas les tordre non plus. Allez, vas-y, on voit, vas-y. Même bois colline n'est mieux que... Il y a des araignées par là. C'est des trucs bleu pavot là. Bon, il est où, là? Grand Dieu, je vais un peu mieux. Voilà. Et très joli, ils sont bien lourds, collants et très mystérieux. Tout ce que j'aime. Ok, cet imbécile de maniaque des chiens va m'acheter tout le stock quand je vais lui raconter que le fléau s'attaque à eux. Ok, mais tu vas pas dire que c'est toi qui. Dis pas que c'est toi qui les a ramassés. Ok, vas-y, toi, regarde. Je comprends pourquoi on me demande de récolter tout ce mucus. On m'a transféré ici depuis Bois Colline.
Ah, je veux chasser les pilleurs de tombes, moi, pas c'est stupide de chacun. C'était. On a par là. Ah, ils sont morts. Oh merde, on manque un petit. Ok, ça c'est les araignées. Ah, la foule des araignées. Putain, ces chicas sont aussi coriaces que les pilleurs de tombe. J'aimerais vraiment rentrer à vos collines. Allez hop, dégage. Merci monsieur. Même Bois Colline est mieux que cet endroit. Alors, sport de fléau. Ok. Ça avance, ça avance. Ok. Grand Dieu. Alors là, excusez-moi, je ne fais que passer. Faites attention, le fléau s'est largement répandu. De nombreuses araignées fantomatiques rouges ont pondu ici. Il y a des œufs partout. Ne tardons pas à éclore, alors on se retrouve avec une véritable armée d'araignées sur les bras. Ouais. On a encore le temps d'empêcher la détruisons les maintenant. Allez hop. Au revoir. Maudites araignées. Bon bah c'est fini monsieur. Merci. Hein? Couper le mal de la racine, ok. Donc il faut que j'aille là-bas. Évitez les cadavres de ceux qui sont morts du fléau. Certains de ces gardes ont été contaminés. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Et non, Nozen a pris la sage décision. Merci pour votre aide. Ok. J'en ai assez. Grâce au Armel, je me sens mieux. Le fléau, c'est bien plus répandu qu'escompté. Wow. Nous brûlons tellement de corps que le ciel en est noir. Je fais tout pour en sauver le plus possible. Mais nous manquons de soldats au poste de garde. Cet endroit a besoin de quelqu'un comme vous. Je vous en prie, protégez l'avant-poste contre l'attaque de ces infectés. En ce temps, je m'occuperai des soldats. Prenez garde à ne pas succomber au fléau. Les cadavres de ceux qui sont morts du fléau. Ouais, t'inquiète. Le fléau se répand partout. Voilà, c'est quoi? Pas besoin. Oh d'accord, c'est des morts vivants en fait pour le truc là.
Ah, ça c'est fait. Grâce au père Armel, je me sens mieux. Toutes les barricades sont brisées. À la prochaine attaque des vols, on est tous morts. Ok, plus personne n'a la force d'affronter des bolts. Allez, accepté. On y va, c'est parti. Évitez les cadavres de ceux qui sont morts du fléau. Ça n'en finira jamais. Le fléau se répand partout. Ouais, c'était rapide cette quête là. On répare ici. Et bon, on prend un charpentier. Poste de guerre. Là. C'est un dieu bienveillant qui vous a envoyé, vous et ce prêtre. Non. Ouais, merci. Là, il y a une autre quête avant d'aller voir le. Oh. Hop, la question. Les attaques sont de pire en pire. C'est insupportable tous les jours. La seule odeur qu'on peut sentir ici, c'est celle des cadavres en train de brûler. Encore la puanteur, ça va, mais je déteste vraiment quand les morts se relèvent. Si un jour moi aussi je suis infecté. Combien de temps pourra-t-on les repousser? Bien, c'était rapide, c'est bien ces petites missions. Enfin, on a fini pour l'instant, au moins. Merci de votre aide. Quoi? Tout ça à cause du fléau. Faut qu'on se trouve un moyen d'y mettre un terme. Bah, faut se battre. Ok, bon, bah là, j'ai plus de quête, il me semble, dans les parages. Non, j'ai plus de quête. Et on retourne voir le père. Le père, le prêtre. Le prêtre, je me sens mieux. Les soldats du poste vont pouvoir respirer un peu maintenant. Quel soulagement. Les bolts attaquent l'avant, le poste frontière fermé. Il est très probable qu'ils aient été exposés au fléau. Putain, je vais pas y arriver moi. Ok, j'aimerais que vous rendiez au poste frontière fermé et que vous aidiez les gardes qui s'y trouvent. Pris pour son pigeon voyageur. Ok, tac. Bivouac, machin. Ok. Et bah c'est parti, on y va. Certains de ces gardes ont été contaminés. N'allez pas dans les coins. Pourquoi y a-t-il autant de poils? Salut. Au revoir. Alors il est où le... Là c'est bizarre, là j'ai pas trouvé de graines de... Vous venez de l'avant-poste de Moko là. Est-ce que les renforts arrivent bientôt? Ouais c'est moi les renforts. Des créatures infectées sont en train de nous attaquer. Je suis passé tranquille cousin. Il doit soutenir le poste de combattement mais ces créatures nous empêchent d'y accéder. Abattez-les et allez voir comment se présente la situation au poste de commandement. Allez, c'est parti. C'est où qu'on doit aller? Non, par là, ok. Alors, on y va. Non, elles sont où les créatures? Petit. C'est quoi, c'est là? Oh, là, c'est pas bon. Oh
donc il y en a un autre quelque part. Dégagez, merci. Et petit petit là. Oh, j'ai pas vu l'autre là. Arrête de m'attaquer. Ok. Il y a tout le monde qui joue sorcier. Oh, lui, t'es bien entamé, hein. Pas me laisser tranquille. Il voulait pas me laisser tranquille. Ok, donc là, attends, faut que je retourne où là. Ok, faut que je descende. Ok. Allez, 9. Ah, ces petites missions sont bien. Salut, salut, bonjour, excusez-moi. Hop. Que passer. Combien de temps pourra-t-on les repousser? Ça fait un rêve que quel tout contact avait été perdu. Allez, on va faire celle-ci et après on arrête. Le moment est mal choisi pour nous rendre visite. Nous sommes assiégés. Nous y avons laissé beaucoup d'hommes et les survivants ont à peine de force de lever leur épée. Je sais que j'en demande beaucoup, mais je vous en supplie de nous aider à protéger cet endroit des démons. Faites sauter les barils d'explosifs que nous avons préparés. Ça devrait réduire leur nombre. Un démon épandeur de fléaux contrôle les monstres du coin. Allumez le baril de poudre. Battez-vous jusqu'à la fin. Vaincu, on va pouvoir emmener les blessés loin d'ici et réparer les dégâts occasionnés. Ok. Brûler les cadavres pour endiguer le fléau. Ok, voilà. Faut que je parle à lui. Ok, allez. Vous arrivez juste à temps. Ouais. On aurait cru que des démons lâcheraient des bolts sur nous.
Rendez-vous au poste de garde frontière, prévenez Parker et prêtez-lui main forte. M. Ok. Ah, j'ai pas le temps les gars, désolé, excusez-moi mais... Vous êtes un peu trop... Pourquoi y a-t-il autant de bolt ici? N'allez pas dans les Certains coins. Certains de ces gardes ont été contaminés. Poste garde frontière. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Armel, garde frontière. Vous avez rencontré mon capitaine? Oui. Bon sang, les démons contrôlaient les bots. Merci pour votre aide. Sans vous, les barmels, parce que longtemps, aurait couru un grand danger. Je ne sais pas comment gérer ce fléau et des démons en même temps. Les soldats font de leur mieux pour sécuriser la frontière. Mais ils sont nombreux à être tombés malades. Parlez au père Armel. J'ai un truc à faire. Pour récupérer. Yes. La vallée des chutes d'eau, monastère de la frontière vainqueur, statue de déesse. Archer d'élite de la griffe toxique. Ok. Récupérer. Yeah. Ça c'est quoi? Quelle affinité maintenant? Mais oui, mais comment je la fais? Accomplissez les quêtes d'affinité pour gagner des. Attends, à un certain niveau, il vous demandera occasionnellement de lui rendre des services. Ouais, mais ça, j'ai compris, mais je fais comment pour... C'est pas grave. Ok, journal d'aventure, c'est bon. Expédition. Récupérer. Ok. Papier peint auberge de Delphi, d'accord. Personnage. Inventaire. Alors. Ouais, ok, vas-y, on équipe, ça c'est à vendre. Ah, 44, 51, 46. Ok, on voit, ça c'est là. Ça, ça va là. Rare. Confère 100% de chance de supprimer toutes les altérations d'état consommé avant les objets échangeables. Ok, ça c'est quoi ça? Gant de la prairie. Ok. Fragment de la statue de Régulus. Ok, ça ça dégage. Sport de fléau. Faites un petit groupe pour ajouter au journal d'aventure. Ok. Réparateur. Marchand de potions. Ah, je peux rien vendre. Ok. Un guide, qu'est-ce qu'il me veut? Réserve. Non, mais ça, je sais. Récupération. Allez hop, on pourra tuer, merci. Personnage. Inventaire. Personnage, inventaire. Familier, salle de plan, salle d'entraînement, carte du monde. Ok. Coffre.
Plume de phénix, on s'en fout, on en a pas, mais non, on va faire plus. Ok. D'accord, est-ce qu'ils foutent, ils ont pas de graines de moko par là? Non, 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 reste là, reste là, reste là. Pas de graines de moko. Quelle heure là? Ouf, 1h26. Bon allez, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Bah, merci à ceux qui sont là, ceux qui sont passés. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.